Quand on fait du bruit, quand on parle ou quand on marche, on provoque des vibrations qui se propagent dans l'air pour le son et dans le sol pour les pas. Ces vibrations se propagent également dans l'eau et atteignent les poissons qui peuvent les repérer. En effet, sur les flancs de l'animal, juste sous les écailles, court un petit canal ouvert en de multiples endroits sur l'eau de la rivière. Dans ce canal, il y a une sorte de gélatine, ce qu'on appelle le mucus, dans lequel baignent des petits cils. Quand on fait du bruit, les vibrations se propagent également dans ce canal, ce qui imprime un mouvement aux petits cils. Les cils sont reliés à des terminaisons nerveuses qui transmettent l'information jusqu'au cerveau. Et voilà comment le poisson peut savoir qu'un pêcheur traîne dans les parages.